Dodoa, qui abrite le siège de la maison des chefs traditionnels, est l'une des villes d'accueil des réfugiés togolais au Ghana, en dehors de Cherpony. Ils sont plus de 200, ces Togolais qui ont fui les exactions militaires dont sont victimes les populations de la ville de Sokodé, entre autres, à se réfugier à Dodoa Ramatown. Face aux conditions de vie déplorables dignes de la vie de réfugiés, ces Togolais ont vu leurs cris de détresse entendus par des compatriotes de la diaspora. À travers la généreuse combattante et brave Fousseyna Diagba, les Togolais vivant en Angleterre et aux États-Unis, plus précisément dans l'État de l'Indiana, ont fait don d'un important lot de vivres et de non-vivres à leurs frères et sœurs réfugiés à Ramatown. À l'occasion de la remise du don, Fousseyna Diagba a transmis les encouragements de la coalition et des Togolais de la diaspora à leurs compatriotes réfugiés au Ghana. La victoire est proche, affirme-t-elle. Si je rentrais à Lomé aujourd'hui, j'aurais une histoire à raconter. Quand je suis venue, j'ai vu mes frères, ils se portent bien. Nos frères et sœurs de la diaspora de l'Angleterre, UK, m'ont chargé de vous saluer, qu'ils sont de cœur avec vous et m'ont décidé de vous apporter des vivres. Les Togolais sont unis, les Togolais sont déterminés pour quelque chose. Croyez-moi, je suis ici aujourd'hui. La victoire est proche. Composé de sacs de riz, de gari, de sel, de détergent, de sucre, des boutas et d'une enveloppe financière, le don a été réceptionné en présence de son éminence Galadima Massaoudou Tairi, chef de la communauté de Ramatown. L'éminence affirme n'avoir jamais rencontré Fousseyna Diagba, même s'il a toujours eu de ses nouvelles. À chaque fois, il entend parler de vous. Et c'est la première fois que vous rencontrez. Et la prière que nous avons faite aujourd'hui, et aussi Dieu aussi a exaucé nos prières. Et grâce à ça, Inch'Allah, il va partir. Nous sommes très fiers de vous retrouver parmi nous et aussi ici c'est chez vous et c'est la maison de PNP. Et étant donné que vous êtes la première personne qui est arrivée chez nous, nous sommes sûrs et certains qu'un jour nous allons accueillir parmi nous M. Adam Moussé. Que ça ne soit pas notre première venue pour vous. Et aussi, comme nous manquons de temps, il va vous remettre, il va vous d'abord donner le message, vous laisser le message, et après, s'il y a des choses à ajouter, nous allons vous encourager. Vous êtes toujours bienvenus. Chaque temps que vous pouvez vous donner, nous allons vous répondre à vos appels. Que ce soit la preuve, que nous soutenons, nous sommes prêts pour le départ. Très content de ce geste venant des Togolais de la diaspora, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. Nous disons merci à Maman Fousseyna d'avoir nous apporté les vivres. Et effectivement, tous ces vivres ont été reçus par le peuple togolais réfugié ici à Ramatan. Donc on vous remercie, la population, et vous, la diaspora, d'avoir fait tous ces gestes-là. Nous serons très 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 reconnaissants d'avoir reçu tous ces vivres ici à Dodoa Ramatan. Merci beaucoup et merci beaucoup. Sur place, des jeunes victimes des exactions militaires ont raconté le chemin de calvaire traversé jusqu'à la terre d'accueil. Ils ont quitté la ville de Sokodé, là où ils se sont installés, c'est plus de 30 km par la marche. Dans leur fuite, il y a un de leurs collègues qui a été mordu par un serpent. Bon, il n'y avait aucun soin dans la brousse. Donc après tout, il est mort comme ça, en brousse. La plupart de leurs collègues et lui-même se sont installés dans les champs de manioc, dans les champs d'igname. Donc les propriétaires des champs leur ont offert certaines tubercules pour se nourrir.
et ils boivent de l'eau du marigot, de la rivière. Bon, c'est ce qui est un peu malsain, quoi. Ils n'arrivent même plus à se toucher. Cette victime, témoin des actes de barbarie à Sokodé, affirme que les militaires auteurs des exactions ne seraient pas des Togolais. Pousser à quitter le pays, c'est ça, atrocités, comme je l'ai déjà dit. Donc, il fait partie de ceux-là qui ont vécu les atrocités. Il fait partie aussi de ceux qui ont fui la ville de Sokodé pour aller s'installer dans les bus. Il dit avoir dormi dans la bus pendant plus de 3 jours. Les militaires qui ont été déployés à Sokodé, selon lui, ne sont pas les militaires togolais. Ce ne sont pas les militaires togolais. Et ils ne sont pas là pour réprimer la population. C'est pour tuer, c'est pour massacrer la population qui sont là, selon lui. Situé à 2 heures de route au sud-est d'Accra, Dodoa Ramatown offre un accueil chaleureux aux réfugiés togolais, obligés de travailler la terre pour subvenir à leurs besoins. Visite à nos compatriotes réfugiés à Tchoukouni et à, suite à l'appel lancé aux bonnes volontés et à apporter leur soutien à nos compatriotes en détresse. Et voilà, diaspora, nos frères et chers frères et sœurs de la diaspora, résidents à UK et les États-Unis, précisément de l'État de l'Indiana, qui n'ont pas oublié leurs frères et sœurs ici, qui ont passé à eux l'occasion pour moi d'inviter encore d'autres bonnes volontés à apporter leur soutien à nos frères en détresse, qui sont meurtris, qui ont besoin de nous en ce moment. Où que vous soyez, pensez à nos frères et tendez-leur et cette main généreuse. Ils n'attendent que ça. Et ils m'envoient également de vous dire de ne point faiblir, que la lutte continue. La victoire est proche. La patrie ou la mort nous vaincront.